Salut les fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qui est souvent posée sur mon groupe J'ai des collections. En fait, il y a souvent des personnes qui viennent et qui ont la photo d'un 45 tours dédicacée par Johnny et ils demandent combien ça peut valoir, ou alors ils en dédicacent et ils veulent savoir combien ils pourraient la revendre. Ouais, qui n'a pas rêvé d'avoir un autographe de Johnny? Moi, personnellement, j'en ai pas. Voilà, quand je vois les photos de Johnny là, en train de dédicacer des choses pour les fans, c'est vrai que ça fait envie. Et on a tous envie d'avoir une signature de Johnny. Personnellement, j'en ai une, mais je sais pas si c'est vraiment Johnny qui a signé. Même si, on va dire, j'en suis sûr à 80%, je ne serai jamais sûr à 100% que c'est Johnny qui a bien signé. Je vous mets la photo. Voilà, c'est ma mère qui a eu cette dédicace par un ami policier qui connaissait Johnny. Voilà. Mais comment être sûr à 100%? On ne l'est jamais. Alors, combien vaut la signature de Johnny? 0 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros? Tous les prix, en fait. En fait, ça peut valoir toutes les valeurs. En fin de compte, ça n'a la valeur que celle qu'on veut lui donner. Je m'explique. Déjà, une signature, généralement, c'est plutôt personnel. C'est souvent marqué à mon ami machin, ceci, cela. Donc, personnellement, moi, acheter une signature où c'est marqué à Bernard alors que je m'appelle David, ça m'intéresse pas vraiment. Ensuite, il faut pouvoir prouver que c'est Johnny qui a signé. Comment on peut prouver que c'est Johnny qui a signé? C'est quasiment impossible. Alors, il y en a plein qui vont dire « Ouais, je reconnais la signature de Johnny. Il a la même, c'est bien la bonne signature, il signe comme ça. » Alors déjà, faut voir que la signature de Johnny, elle a changé entre les années 60 et les années 2000. Entre-temps, sa signature, elle a un peu changé. Ensuite, il faut voir le support sur lequel il a signé. Comme vous et moi, on ne signe pas de la même manière qu'on signe sur un chèque, une feuille bien sur un bureau installé, à travers la fenêtre d'une vitre, le bras tendu pour signer à une personne qui est au deuxième rang qui attend pour avoir sa dédicace, sur un t-shirt, comme on peut voir sur cette photo, Johnny qui signe sur un t-shirt, sur un billet de banque, comme on peut voir là. D'ailleurs, c'était une annonce sur eBay où la personne tente de vendre ce billet, plus de 600 euros je crois, et il y a une photo de Johnny en train de signer quelque chose. Enfin, quand le mec il met ça sur l'annonce. Genre, regardez, c'est bien Johnny qui a signé, mais sauf que sur la photo, on voit pas ce qu'il signe, Johnny. On voit qu'il signe une feuille, mais on voit pas ce qu'il signe. Donc après, le mec, s'il est un peu doué, il fait 50 signatures, et il vend 50 fois la chose avec cette photo en illustration. Donc ça, sur une bouteille, voilà, comme on peut voir là. Voilà. Après, il y a le support, donc comme j'ai dit, qui est utilisé, ou alors le stylo. On signe pas de la même façon qu'on signe avec un stylo bic, un stylo à plume, un feutre, un marqueur. Donc, les arguments du type « c'est la signature de Johnny, je la reconnais », pipeau. Voilà, tout simplement, pour moi, ça n'a aucune valeur. Ce genre d'argument ne vaut rien, parce qu'on ne signe pas de la même manière. Voilà, je pense avoir été assez clair là-dessus. Donc ensuite, combien ça peut valoir? Mais c'est... En fin de compte, c'est vous qui choisissez, en fait, combien ça peut valoir. Si vous estimez, et si vous êtes sûr que c'est Johnny qui a signé, chose que vous ne pouvez jamais prouver, bah, vous pouvez la payer 100 euros. La signature, vous pouvez la payer 1000 euros. Moi, personnellement, c'est zéro. Voilà, pour moi, ça n'a aucune valeur. Comme quand c'est signé sur un disque. Selon le disque, pour moi, c'est même l'inverse. Ça fait baisser la cote du disque. Quand c'est pas prouvé que c'est Johnny, hein, je répète, hein, faut quand même bien préciser la chose. Pour moi, ça fait baisser la valeur. Il n'y a pas si longtemps, il y a le disque Johnny Chantalidé, le velours hein, d'époque, hein, qui s'est vendu avec la signature de Johnny dessus. Bien évidemment, impossible de prouver que c'était Johnny qui avait signé. C'est quand même un disque qui part généralement au-dessus de 350 euros. Là, il s'est vendu 200 euros. Voilà, alors qu'il était en bon état. Le disque était en bon état, mais comme il y avait marqué Johnny D dessus, impossible de savoir si c'est lui, la cote, elle a fait assez casser la gueule. Voilà, et je suis assez d'accord avec ça. Alors après, il y a des objets où c'est sûr que c'est Johnny qui a signé. Par exemple, il y a ce livre, Le Regard des Autres, qui est sorti, et il y a une édition spéciale qui est sortie, où je crois qu'il y a 100 numéros, ont tous été dédicacés de la main de Johnny. Donc là, c'est prouvé, ça a été fait officiellement. Donc là, c'est sûr, on peut y aller les yeux fermés, c'est Johnny qui a signé. D'ailleurs, petit détail, pour reconnaître la version qui a été dédicacée de celle qui ne l'a pas été, le verso. En fait, la photo n'est pas la même. Voilà, sur la version dédicacée, on a cette photo-là. Et sur la version non dédicacée, on a celle-là. Voilà, ça vous permet de faire un petit comparo si un jour vous tombez dessus. De toute façon, s'il y a l'annonce qui traîne sur Internet, la personne ne manquera pas de signaler que Johnny l'a signé. Voilà, alors après, il y a par exemple les disques d'or ou les objets certifiés ou vraiment c'est les trucs para plus B où c'est bien Johnny qui a signé. Là, évidemment, ça laisse peu de place au doute. Mais toutes les annonces que vous pouvez voir sur Le Bon Coin, Vinted, eBay,
Méfiance, énormément quoi. C'est parce que les gens ils vont vous dire que c'est Johnny qui a signé, c'est sûr, parce qu'ils ont qu'un objectif, c'est vendre leur article. Mais vous achetez certainement la signature de Bernard, Jackie ou Michel, hein. Mais certainement pas celle de Johnny. Donc voilà, méfiance à vous, et n'oubliez pas, ça n'a la valeur que celle que vous voulez lui donner. Allez les gars, à la prochaine, ciao!